Je suis Ousseina Diallo. Moi, Ba était la marraine de mon mariage. Je veux vous raconter comment l'histoire de Tamba Jacari a commencé avec Ba Oumawa. Oui, c'était ma marraine. Et laissez-moi vous dire, c'était une fille qui était animée de bonnes intentions, qui avait plein d'ambitions. Plein d'ambition. Mais pour ça, partagez-moi ce direct. Je veux vous raconter comment Tamba s'est rencontré avec Oumawa et comment ils ont fait pour en arriver là. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui essaient de blâmer sa famille, de condamner un peu pour dire où était sa famille pendant ces 2 dernières années. Pour eux, la famille peut-être n'a ménagé aucun effort, je ne sais pas. Partagez-moi le direct. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct. Aujourd'hui, on parle de mon ami sur les réseaux sociaux. Même si ça fait plus de 3 ans, je n'ai pas parlé avec elle parce que depuis qu'elle a commencé son histoire avec Tamba, disons. Elle a quitté tout le monde. Elle a coupé le contact avec tout le monde. Excusez-moi, mon internet fait du faux. Partagez-moi ce direct. Je ne commencerai de vous raconter cette histoire que seulement quand je verrai un peu plus de monde. Je veux vous raconter du Sénégal jusqu'à la Guinée comment Oumuawa, ma soi-disant Esther, s'est rencontrée avec Tamba. Jusqu'à ce que tout se passe aujourd'hui. Écoutez, hein, je vais mélanger un peu avec le poulard parce que nous disons que du fala behum Pythagore kohon aux histoires folkloriques. Hakoude Tamba ou Muhawaba qui se fait appeler aujourd'hui Esther. Abdallah, salut. S'il vous plaît, partagez-moi ce direct. Partagez. Je vois que ça commence à monter. Allez-y, partagez. Partagez, partagez, partagez. Depuis hier, les images ne cessent de tomber sur mon Messenger, sur mon WhatsApp. Les gens ne font que m'appeler pour dire, voilà, il y a la vie de ta copine qui est allée sur les réseaux sociaux. Bon. Pour faciliter la tâche à tout le monde, permettez-moi de parler en français et en polar. Je vais commencer par le polar. Parce qu'il y a un nouveau débouille qui a dit Humpa, mais qu'on a un nouveau mourad, fait iri. Qu'on a dit, oh, comment on dit ça? Oh, get al jomé, ou moi, bah, you want to hand des chrétiens. Qu'on a dit, ha, ou on est dundon. Sadina Ba, bonjour, bonjour ma soeur. Oumuawa Ba, comme si on me pita, Timbi Madina. Kojiwo, wakilinodo, ka gandal, wakilinodo, ka dapere. Jiwo, iwodo e fami, teddudo. Parce que nene mako e baba e mako, ko yimbe teddinabe e der pita, Timbi Madina. Oumuawa Ba, Ndian Uno, dans un milieu où elle a reçu tout l'amour qu'un enfant pouvait vouloir de ses parents. Oumuawa Ba, no yitano, nene mou ebem mou no wakili no fi yo djangu. Ender wakilare mapendem etino hang oye yi Dakar, fi lannentinagol. L'école Macon, université Macon, au Dakar, au master Macon, après sa licence, au soutenu. Donc, mon mari Kotira, au Wondo Conakry, on y est, mon réseau social dit, il n'était pas de ma liba. On hande depuis Hanking, non, depuis Hetianking, il m'a dit, il n'a bobo, gorko, haka, woni, do, sabo, au problème. Oronku waw de hew tugol oya bobo makon e bengu makko kalaptane parce que e nani Oumuawa no dua jombindirde e Tamba
tawi be wawata jodagol nyobbindira juude mabbe den ha dun don wada nanon fi haray ko en galdo be fuddi dogude fi dum umwawa ba e tamba ko honno be fottiri ko honno haadi piji do fo mutori yido manditi sai arno je pense que ko hella début 2019 ou fin 2018 espace tournono en der african fondo be yahuno senegal be yehi mali yido manditi dum non fi wadugol spectacle di des émissions et tout bay be yehi dakar kanyum ummu hawa ba o yahuno o assisti on émission tamba zakaria disons on émission espace les grandes gueules ko be wonno wadde e der dum o landi micro fi posugol question yi don andi ka himbe mobondiri wo cameraman be ben kambe kadi hibe yidi jumugol geseli juube lababe ma dum geseli juube be andan don hore mo hino mari gandal donc en der ko ummu hawa ba landi micro fi posugol question tawata on question ko espace o woni mo posude ko en der dum don tamba zakaria prêti attention et ummu hawa ba ko en der dum don hakkille makko den jetti ummu hawa ba mais don e don be wawano yewtude be wawano sans indirgol hay contact joni non baybe arti be wi dakar be arti konakri on andi ces émissions ji wadi be joroto be monta émissions ji din e der ko be montata émissions ji din fainting image ou moi on attire attention bui et ma beka espace donc tamba zakaria o jodaki o daraki ha o hendi contact kanyum ummu hawa ba way o hendi ka contact kanyum ummu hawa ba e watti noddindirde telephone voilà fuddori seeda seeda ha tawata so ndo wo be yewta ha tawata joni goto mabbe wawa tawonugol hara yewti dali o me en der ndey yewtore don tay kanyum ummu hawa ba himo mari problem on problem ko jogi ko musu hore tawi o nauna e moja o musu hore makko ampeshainomo hay jangugol o musu hore makko ampeshainomo nde wonde hay yidugol himbe ben hara mo sokiti tunge sudu o musu hore makko falanomo hay dirnude hakkille den sottina mo hakkille den donc bay musore makko sonji mo panni mo makko ben inni joni yo iwu dakar o ara la guiné be dabana mo lekki o wi dakar o ari guiné be jindi façon laptaneji di fo o affaire lekki balé fo be jindi fi dum don fo fi dabangol ummu hawa ba lekki mais on andi tun kamen mo yiwu dawo hino andi parce que hay lekki balé on be gollirno donc lati be hebanali mo lekki tigi tigi ko wawata mo kalmande piji din donc e der dum o konfi e tamba tamba andi ke himo mari on problème musu hore hi don andi non tamba avant d'être journaliste ko pasteur jo tamba c'est un pasteur donc tamba propose ani mo hondum a mimmi do wawma wallitagol mais fi dum ko ma araka église men jula fiya hettu cellal maga donc ka début ou moi elle était toute hésitante comme on en explique rangol o histoire ko yon andu que famille makon comment dire na responsable ko fe ikon kanyo même kanko o muhawa wona esago makko na e yete makko woni par rapport au programme on do feude joni non bay hauri tamba zakaria propose animo yo aruka église djula e wallitomo fino hettira cellal makongal comme sifani on kon ka début elle était toute hésitante mais don andi son hebi son jahun tawata kun son jahun ko e fi cellal goddo inni on mi do wayo on ittande tawata hihi sonji ono ampeshu don wadugol piji buino ton o ina a abimi eseya donc en der dum non kanko umawa o décidé essayer yugol oni ok jono ya hay ka église be wallitomo ko donc o fuddi yawgol ka église o yaha tamba zakaria
Et on a une église, mais à la taille de l'église, on l'a. Mais l'église, on a une église. Mais arabe, jour, la hore, mako, et il bamoton des trucs, je sais même pas comment vous expliquer ça. Et il bamot impidi, donc. One ir no, hatawata. Chaque fois, ben namo, en der semaine, on, il m'a dit à yaugol, la bididi, ma la bitati, hatawita. Joni yon terende fo jok kondiri, partage ne lan o video paske komi yoni halde konko trez important. Fi honu, bui perdi bi emun tawata ko sifa wano rundon. Bui perdi jiu be mun tawata ko sifa wano rundon. Ko un addi o istuar umu hawaba. Joni non, ender unnon, chellal makongal na fi haray o hetu nongal a 100%, me kanko o wi ayno menka sudu, ko hihi no haifande mo seda seda. Je dois expliquer en français. Ok, d'accord, il y a pas de souci. O inna no haifande mo seda. En fait, je veux acha ke mi traduisana be nana ta pular ben do beru ko ko mi haali do. En fait, l'histoire de Mouaba, c'est une histoire qui date de très longtemps. Et cette histoire a commencé comment? Vous savez, à un moment donné, il y avait les gens de Espace vers les années 2019, disons début 2019, fin 2018, c'est entre ces deux années, qu'ils, comment je peux dire ça, ils faisaient le tour en Afrique. Donc, ils sont partis au Sénégal, au Mali, je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais qu'ils ont été au Sénégal et au Mali. Et quand ils sont partis au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de l'émission, Oumouaba était là. Donc, vous savez, quand ils sont là, ils donnent l'opportunité aux gens de poser des questions. Et là, Oumouaba s'est présenté pour poser une question. Vous savez, les caméramans, quand il y a un monde qui est là, ils essayent toujours de choisir deux visages, voire trois. La fille la plus belle, ils essayent de zoomer sur le visage de celle-ci. Ou encore, cette personne qui attire l'attention intellectuellement. Et Oumouaba avait les deux. Donc, c'est là où Tamba Zakaria, pour la première fois, a vu Oumouaba. Et lorsqu'ils sont revenus de Dakar, parce qu'au Sénégal, là, il n'a pas eu le contact, disons, le temps de prendre le contact de Oumou. Maintenant, lorsqu'ils sont revenus en Guinée, lors du montage de l'émission qui s'est déroulée à Dakar, Tamba Zakaria s'est décidé, parce qu'il y avait beaucoup de gens des grandes gueules, disons, beaucoup de gens d'espace, qui était vraiment, voilà quoi, qui disait, ben voilà, elle était toute jolie et tout. Donc, il y avait beaucoup qui voulaient avoir son numéro, y compris Tamba Zakaria. Tamba Zakaria, c'est lui qui sait comment il est parvenu à avoir le numéro de Oumouaba. Et quand il a eu le numéro de Oumouaba, ils ont commencé à échanger. Et à ce moment-là, Oumouaba avait des problèmes de migraines. Elle souffrait beaucoup de migraines. Des fois, ça l'empêchait même de dormir. Et ses parents ont décidé de la ramener en Guinée pour la trouver un traitement. Et au moment où on cherchait ces traitements, c'est vrai qu'il partait vers les hôpitaux, mais aussi il cherchait des médicaments traditionnels. Et quand il partait vers ces personnes qui soignaient traditionnellement, ça n'arrangeait pas. Et entre-temps, Tamba Zakaria s'est rendu compte que Oumouaba avait un problème de migraine. Donc, il lui a proposé, viens, moi je peux t'aider, mais pour ça, il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu viennes pour qu'on prie pour toi. Au départ, Oumouaba était hésitante, elle ne voulait pas. Mais vu qu'elle souffrait et que ça l'empêchait de dormir, ça l'empêchait même d'aller à l'école, elle s'est dit alors, pourquoi ne pas essayer pour être en bonne santé? Peut-être ça va marcher. Donc, entre-temps, ben voilà, elle a accepté, elle est partie à l'église. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'avant qu'on ne connaisse Tamba comme journaliste des Égyptes, Tamba c'est un pasteur. Tamba c'est un pasteur. Donc, lorsque Oumouaba est parti à l'église, ils ont commencé à faire des prières pour qu'elle retrouve son état de santé. Avant, ça se faisait deux fois dans la semaine. Après, c'est venu quatre fois dans la semaine. Après, on lui disait toute la semaine. Donc, c'est comme ça que ça a continué. Et ce temps-là a rapproché Tamba de Oumouaba. Ils se sont vraiment rapprochés. Maintenant, je vais revenir en poulard, ça ne va pas être facile, tout le monde veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Johnny, non, pas haouri ou mouhawa wakili ke djabi, traitement on, yo wadeka église, ou ara yon terren d'info tous les jours, ko un don addi ou mouhawa yo wono proche à Tamba Zakaria.
be woni non proche tel ko ma be yewta nyande o be wala simogine ko ma be yida nyande o si o hoti Dakar be wondo suudo to no Dakar o ara la Guinée hara mobe makko ben anda donc wadiri non ha nyande gore belle sœur jo makko noddi la min onina usana ça va min ça va oni mi fala ya wadu très attention min afiyonu oni umuno inu demen kaka ma woni arde me sorti di makko din tidi donc les gens se posent des questions immédiatement mi wa wali no gol belle sœur makko a umuna ka woni arde fiyonu parce que di won comme musoare donc il fallait que je comprenne un peu qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai décidé d'appeler mon ami parce que me yewta no nyande o me ha hande kade der ko me yewta ta ko o nalla a attention mi yalti ko suudu ko no go inde ma mi waynuri no o halanta la o no dala no me yewta nyande o tous les jours ou bien de on day o rewa ka suudu ko woni o wala tano kan et pourtant o wayno ka suudu en na mo yawde kan pour quelques jours mais ara nano wonir maintenant après que j'ai fait mes enquêtes j'ai compris qu'il y a quelque chose qui tournait pas. Une autre démocrate que vous m'avez, mais yoti, mes conseillers, mon bureau comme moi et mon conseiller de camp, parce que ming arrive jamba, mais quand quand t'as eu jamba, on est là, ah quand tu te tires en fusse, alors hakune ma koe tamba, mais si t'as eu hande au heti chellal ma kongalse, d'accord, parce que on donc wawi mo wali tagol. Et d'ailleurs, quand ben on joue les congrès macon, que voilà quoi, que améliorer un peu mes graines macon, vrai ou faux, aucun quoi à l'inde. Donc non, avant que nous continuions histoire, on va se poser une question. Est-ce que et d'ailleurs, dans jour de, comme on nous voit de l'église, est-ce que Tamba Zakaria et d'ailleurs, et dit comme il baigne nos horaires macon, fille ou dico, quand dit et on nous met on nous hibou des horaires au jour. Est-ce que na fi die tourne gol hakille ojiwo e mawbe makko ben tourne hakille ojiwo e aduna makko on parce que ko honnu woni on aduna makko ko honnu woni on bengure makko o wi'i ad o yaltude ka mabbe o ala nene o ala baba o ala nene goto kala ibnudo wawata mo jokkude gol lawol gol o iwtire bawo mun don mo wakili perdugol fo e hore dum kadi o inni o changi religion tan ko hande kadi o nodde taake ka julbe ben woni don mais plutôt ko ka chrétien be ben woni don ko ton autori yo be noddirmo ado umma wa hewtude der on église acce mi hala non goddum o jiwo o tultata wabutu o jiwo hakkil makko kin fo ko fi gandal makko ngal o jiwo bay gayni jangude hetti diplôme mon en Dakar rêve ma confort c'était de trouver un bon travail parce que quand ko hari hay hakil mako ala e voyage go rêve ma confort c'était pour trouver un bon job ko do wadi bay o gayni jangude o arti Conakry o selali koto mako qui est un banquier très sage. Quand je vous dis que cette fille est issue d'une famille très sage, croyez-moi qu'elle est issue d'une famille très sage, je vous assure. Parce que de minirabe makko robe bendido ben hino tiggi potirabe makko ben hino dumi e dina l'islam mobe makko ben hino teddina e diwe den pitado yumma makko e babe makko hino teddina o jio momoni on halande tawi himo yidi nene makko kuri ko woni o ka aduna do joni non si goddo hebi hunduko innirko hi hi hande mi subiki aduna go uri nene anjara be mi yiduno ben hanki. On doit se poser des questions. Moi je le dis, je l'ai dit et je le réitère, Tamba Zakaria a volé la vie de cette fille. C'est que o geru jiwon ko kambe andi ko honnu jonni jiwon ha bonni hakkille jiwon mais o bonnu fi jiwon ko honnu addimi do innu do o bonnu fi o jiwon. Si tau no ko gonga hi tamba no yiduno o jiwo no yi no wiirno non hay si tawi hauri be jombindiray o jokka dina makko kan o accha o jiwo jokka dina mun kan so ondari o tawi hi o jiwo decidi hande sedugole bengure munden fo fi wontu dugole makko kanko Tamba Zakaria
har o wakilaki akompanyugol on jiwo e gol lawol don me ko kanko tamba woni nene mum kanko woni baba mum ko kanko inni jiwo on si tawi en wonday bay hida andi fami ma on ko himbe julɗube hida andi fami ma on dina l'islam on be fijirta ko himbe teddube si tawi enen dido en wonday a yejjitay ben don fu parce que tant que hida wonde fami ma on tant que hida nantondiri e ben non enen dido wawata nantondirde fi hon dina ma kan e dina an kan yaada ko piji didi wondi different donc mon ami ou moi elle était entre le marteau et l'enclume. Donc, Gorkon empoisonne mon tellement esprit on, que Tawata, elle a pensé que c'était l'amour qui le poussait à faire ça. Mais ce n'était pas de l'amour. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. J'ai plein de choses à vous révéler sur Tamba. Partagez-moi ce direct. Parce que, mais, faire le tour de l'histoire, non, mais faire non. Jodagol ka réseaux sociaux di do devoila dum fi honno parce que mi yewno combien de fois nene makko sonji e fi o situation koto makko sonji e o fi o situation c'est que engure makko ne fo mapo de hore mum parce que ça hebi biddo ane imo ha on jandi ana di mo l'école o jangi ha o gayni o hendike diplôme makko ada animo golle o fuddi debru yagol goddo ari accintini on golle goddo sendi on e nene mum e baba mum e yimbe mum fo ko musi burado ko musi burado me on tan don bay mi yewtidi e be ngure den non dirtom be ngure den mawbe makko ben ko himbe be andan don hore mon no yidi sutura himbe be andan don hore mon yida fi mu yo hal ka réseaux sociaux en yo men selu dum don taw ha ɓe ndara si ɓe récupéra e oji o mi haala noon no ummowa ba yaltiri ka mawɓe makko ɓen ko honno o iwri ka mawɓe makko ɓen ha tawata bi ñande o yalti ka nder suudu mawɓe makko ɓen ha hande ka woni ɗo o yiltitaaki o yiltitaaki koto makko ɗaɓɓanimo kanko ummu hawa ka waɗa stage on ka wonno wadde stage non mi halata inde entreprise on mi halata inde société on mais ko société téléphonique wondo lagine be jogi be di numéroji gine ko on société hakunde din société ji don ji on hebana stage ay ji on hebi stage o fuddi gollude franchement be ka entreprise weltori golle makko den parce que be yi ji on ko gandudo do ey juwon ko jangi ko ngo famuno donc be proposi embauche golmo ka koto makko dabbano mo don ka wada stage kono e der dum tawi nda o somay buika golle kanko e wonde no wakili o somay buika golle si o somi non ka golle ka sakki torundo o inabe a hi be immina jar yawgol boke ma dum labe en tout cas hibe immini be mission o ina entreprise on no immini be mission o waynora dum ka sud e dum non le coïncide wo presque les week-ends ou parfois un jour de semaine o wayno o ina himo yawde mission o mission non ko wayno to himo yawde har o yaha nokko goy himo konakri dum himo wonde tamba tamba no andi dum dum tamba no andi jiwo ngala yawde golle tamba no andi jiwon no wayni ka mawbe mum hino ye mission tamba jodi labi pos jabi bonni fi jiwon bonni aduna jiwon parce que si da yidi goddo asendata mo yimbe makko ben asendata mo golle ko o jokki ko donc kanko o jabi dum non o wakili o mari o jiwo ka der sudu makko jiwon no yaha donc ko to makko remarque que i voyage di mission di o di suki parce que kanko ko kona kri o wonduno e fami koto makko yumma makko e babe makko hino pita koto makko baindari tawi hihi dum do sukki qu'est-ce qui s'est passé donc il s'est posé des questions ko honno woniri o do ne bali ko fuddi yawgo le entreprise e ko stage woni wadude ko gonga ko o wakili wo ko yidi golle don wo ko honno addi ko honno addi
Oji onyande wo hino imine de mission. Kato mako pose yon question no. Donc, kato mako no dimo, kanko ji won, job inimo, landimo, ine a umu, comment se fait-il? Tu es tout le temps en mission. Kono nga dison loka la anhi da ye tout mission. Wenya ko gole den, be prometi lang, be signa na ilang CDD. Voilà quoi, ou CDI, un truc comme ça. Donc, mo wa wi hala mo yoyi. Wajangi, ji on no fami. Je vous assure. Kodu wadi si minyon, na esaguma kowoni. Na esaguma kowoni, je vous assure. Parce que si mi rezo, si mi commentaire di go sur les réseaux sociaux, ça me fait mal. Parce que celle dont on parle, c'est pas de Oumuawa, c'est pas de ma soeur on parle là. Non, c'est pas elle. Et quand on critique ses parents aujourd'hui, je me dis que c'est trop quoi. Quand tu ne connais pas les choses, ne critique pas. En fait, ne donne pas ton avis sur un sujet que tu ne connais pas quoi. Voilà. Donc, en ce sens de vous dire, je ne sais même plus où j'en étais. La fille est mineure. Non! Oumu n'est pas une mineure. Oumu a plus de 25 ans, elle n'est pas une mineure. Non, du tout. Elle n'est pas une mineure. Donc, en ce sens de vous dire, bah, koto mako jodini mo wa bi yew tugol koto mako tigi tigi a ko parce que be yi golle anne de trucs comme ça ko du wadi be mina la mission ni ni nanana petiti patata mais tout ma o inni kam mabbe wo Usaina ko minye Usaina harabe holi ils se sentent rassurés parce que mi do hetti moy dou bi sera donc ils se sentent rassurés ben OK elle est chez Usaina elle est avec Usaina parce que toute la famille aujourd'hui connaît Usaina. Voilà, on laisse couler. Jusqu'au jour où, à ma très grande surprise, j'étais même plus en Guinée. J'ai oublié, j'étais où. Et sa belle-sœur qui m'appelle pour me dire, « Usaina, da un point de Oumu. »« Ne Oumu, ne. »« Min me yoti de balero. »« Konu wali. »« Oine, ah, elle a fugué. »« Elle a quitté la maison. »« Min fi hounou, kokango, koto mako habika, ko fi hounou. » Oini ah koto mako fami tic tac oni wadde kon en fait elle mentait surtout ni comment koko wono wi de himo yaw de mission fo ko fenande Oumu ça fait plus de 2 mois elle n'est pas partie travailler donc en 2 mois donc fop nous on pensait qu'elle partait en mission des trucs comme ça mais elle n'est jamais venue à la société ou à l'entreprise pour travailler donc excusez-moi. Donc, baybe windani koto mako. Be hala ni mo ke minira o mako ala arde kagole. Donc, il s'est posé des questions. On a dit onon tigi si tawi hauri on da bani minira o mon kagola. You don't holy ho iminya mo no yaw de golugol. Eno di on beni on wat ille bididi. Minyam mon hewtali ka golle do ah dum don adai yon pose aux questions di pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi voilà Oumu ne vient pas travailler. Excusez-moi, restez. Pourquoi elle ne vient pas travailler? Donc Otomako, il en a fait un scandale. Pourquoi tu viens pas travailler? Où tu pars? Qu'est-ce qui se passe? Il a posé plein de questions. Mais vu que Haritamba prépare Djiwon, wadi dun no foka esprit makko tant que mo wonde mawbe makko ben be wawata wondude. Djiwon konno wadama. O mabugo piji makko din. Na fo go ka do yalti de mo elle a pris juste un sac. Elle est sortie. Mais andi si ason ki de minnirawma asikay que voilà. O artei asik kata do ko sifa wano on délire non wadata elle est partie donc elle n'est plus revenue la même nuit elle n'est pas rentrée deuxième jour elle n'est pas rentrée après ils ont commencé à se poser des questions elle a changé de numéro elle a bloqué comment dirais-je tout le monde sur Facebook sur sa page Facebook elle ne prenait que les personnes qu'elle voulait parler sur son messenger. Elle ne parlait à personne. Donc, c'est que, ouais, voici Djiwon Oumu.
nene mako bay nani dum ko hakkunde nge Allah yumira be waywa fetube be dogi ki santimbi Madina be ar konakri be ala mono dale gorebe ummu hawa be ala molandaki e weldi be ummu hawa be jodaki daraki be dabiti 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 be yeyi hay kazandar meri be declare hi minyama be yalti ko sudu be anda honto woni biddo mabbe on be humpitaaki mo jama on fo mapi weldi be mabbe yibbe mabbe fappu mapo de horum en dem non enquête jiko be wadata kon e découvrir ko honno woni fi dum non fo ko tawi hari ummu hawa jehi wontri katamba ay bandi hi ummu hawa ba o yeyi o wontri katamba ko honnum be wadi be jodaaki de be ciidaloji wo sagataade be etiquetteir mabbe on kono bay hi don andi hiden e der leydi di justice ala hiden e der leydi di loi ala hiden e der leydi du yur de yurmende ala hiden e der leydi tawata heferbe ben no buri mojjube ben no buri mojja bernde be ko to wawali heda golbe be immani on yeyi porte plainte e tamba Et y a des portes plantées hors et en bas. Mais y a que gendarmerie. Maintenant, qu'est-ce que les gendarmes ont dit? Quand on m'a dit que les gendarmes ont dit, qu'on m'a dit les gendarmes. Ou a, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a parce que famille m'a connu, fala m'a wardé. Fi quand on m'a dit qu'on a décidé de changer de religion. Qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Il a dit qu'on a dit qu'on a dit. On a bata jang parce que kanko hande kadi na o juldo o nodda ka julbe ben woni don kanko o mwawa o decidi o changi religion o hali dou yeso be gendarme après belandimo ko wondire Zakaria c'est de gré ou de force oni a kanko on force amo fusde on force amo fus physiquement brutalisamo d'accord mais ko hombo andi ko honnun tamba Zakaria wadi o jiwo ka der eglise ko hombo andi ko honnun tamba Zakaria nyammini o ka der eglise ko hombo andi ko honnun tamba Zakaria et verset biblique di ding excusez-moi j'aime pas parler du Coran et de la Bible sur mes vidéos parce que la religion elle est sacrée la religion chrétienne elle est sacrée celle musulmane, elle est aussi sacrée. Chacun a son choix d'adorer celui qu'il veut. D'accord? Donc, faudrait pas que certaines personnes qui seront là, peut-être chrétiennes, faudrait pas que vous pensiez que je suis contre la religion chrétienne. Non, je ne suis pas contre la religion chrétienne du tout. Et je ne suis pas là pour vraiment mettez-moi des cœurs, parce qu'ils commencent à mettre... comment je peux dire ça, des têtes de mort. Mettez-moi plein de cœurs, sinon la vidéo risque de se couper. Allez-y, mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez-moi plein de cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-moi plein de cœurs. Plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Donc, pour continuer, Kogonga o brutaliza le ojiwo. Kogonga o pia le ojiwo. Kogonga menka di o hapa le ojiwo adi ojiwo ko leiko ede mako. Me kohombo andi kohonnung e diyan be yarni ojiwo ka eglise. Kohombo andi kohonnung e julde be juli e hore ojiwo ka eglise. Angorko ko pastor jono. Angorko no andi biblon. No wai don andi, bibl no wai wa koran. Si da fala andu gol pidi gono ton. Fiko nyawndora no kander uran. Fiko wadira goddo mal no kander uran. Fino hendora fayintin goddo kadi no kander uran. Non non fono der ton. En famille, donc c'est la même chose ka bible. Si da fala nyandu gol goddo, ma si da fala henda gol goddo, ma si da fala wad gol goddo ko boni. Non non fou kadi. No kander uran. Partagez-moi ce direct s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct parce que franchement, j'ai envie que le message la passe. Fi yo himbe ben andu que tamba o bonno hakile dion. Tamba, c'est que il a utilisé des choses superficielles sur la fille. C'est que faut aussi que Dieu on par amour. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'y a pas d'amour dans ça. Si c'était vraiment par amour, tamba chanzin tano oji wo religion, tamba akintin tano oji wo golle makwaden, tamba senda tano oji wo emaube mumbeng. Mais tamba wadidun non faut oji wo do.
joni non bay beye ko gendarmerie ko ko mi wonno sifanaade ko jiwo ngini ko ko ittimo ko be ngure makko ko fimo change religion so yilti tiki tombe warem be lanni mo hi se tay tamba force moyo be wondo ni o tamba force moyo be wondo gendarme be ngini wo kambe jiwon ko major fusko be wawe der dum ala donc be acci di famille on be hore mum e problème on jiwo yilti do o yilti. Comment je peux dire ça? La fille s'est retournée avec Tamba. Tu as dit non? Fainting! Nene mako joda akide. Nene mako e babe mako e koto mako. Disons nene goto be mako ben joda akide. Ben eti etete info fi hetu gol o jiwo. Be soudi jiwo. Be soudi jiwo. Tawi hande kadi. Be noda ta o jiwo noto. Be andaka jiwo wani. Be andaka be joki tira jiwo. Seke no wai wasi ahebi bitlo. Benni ma biddo ye aventure a hebali nouvelle di makko c'est comme si yara perdu biddo ma neno nauni neno wulli neno bidi neno yomi be hebali goto ko wallitobe koto makko wontani mo shock tawata o yida hay nanugol goddo no hala fi ummu wa ta der sudu makko tellement que on a nommé choc, tellement que on est dessus, tellement que lui, son frère, il s'est battu pour préparer l'avenir de sa sœur. En fait, je ne dis pas toutes ces choses parce que j'ai envie de diffamer mon ami, non, mais je le dis pour que les gens comprennent et que l'opinion nationale nous aide, tous les Guinéens, il faudrait que vous nous aidiez pour que vraiment Tamba rende à la famille de Oumuawa leur fille. Pour que Tamba, au moins, ait du respect et de la considération pour la famille de Oumuawa. Pour que au moins Tamba, ko wadi kong e ojiwo, yo o itu. Yo itu ko wadi kong e ojiwo. Parce que Dieu na isabumu woni. Yo itu. Yo itu. Parce que o détourni esprit Dieu. O détourni esprit makon. O détourni esprit Dieu. O jati bi obeyon. Aux yeux et aux su de tout le monde. Na ko duwa e der leydi joni no baybe etike fi din piji don fo be ndari be tawi ala marsude be anda ka be jokkitira o jiwo be hebal nouvelle jiwo nyande gore tum nene makko mi anda ko honno be humpitori ka o jiwo woni be yetti o jiwo be natti tim wonu jiwo wadi fayintu ko suuda go yumma makko e babe makko yiltito kona akri arta kadi wonda e etamba ene idom sikude giwon no sagomu hido sikude o jiwo ko wadi kon foko e sagoji mum o wadiri dum an doga yum mama doga baba emma doga iudi ma fo sans a hay religion itta hay fi lenyol gol iuru dangol e mum tawa fusdu wadatama fusdu ndiranzo tama tawa ta fus a jokka yaduna maon. An tawata hara rêve ma enfo, c'était de devenir une grande personnalité dans ton pays. Tawata tu te retrouves à ne même pas travailler, toujours enfermé dans cette maison, en train de faire tout ce que vous savez pour ce monsieur. C'est que wanti femme de ménage pour ce monsieur. Une triste histoire, vraiment. Une triste histoire. Je fais cette vidéo pour demander à l'ensemble des Guinéens de franchement soutenir la famille de Oumuawa Ba. Elle ne s'appelle pas Esther. Elle n'est pas née Esther. Elle s'appelle Ba Oumuawa. Elle s'appelle Ba Oumuawa. Et ses parents l'ont inculqué des valeurs. Ses parents se sont battus pour son éducation. Ses parents lui ont donné vraiment tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'un enfant peut vouloir. Quand elle vit avec ses parents. Ses parents se sont donnés corps et âme. Elle était la préférée de ses parents. Tout simplement parce qu'ils ont vu que cette fille était intelligente. Cette fille avait de l'avenir. Cette fille avait l'ambition de réussir dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de Tamba TGG. C'est pourquoi il y a d'autres qui se permettent de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ou c'est pourquoi aujourd'hui l'autorité ferme ses oreilles comme s'ils n'entendent pas ce qui se passe. Tamba n'est pas n'importe lequel en Guinée. Tamba est un personnage public. C'est une personnalité publique. Donc en ce sens de vous dire,
Autorité on no andi ko woni fejjude kon. Yumma ummu hawa e koto makko. Ay be humpitike. Hihi o jiwo hino jombindirde o sagata. Ey mi kisan pan. Ay hibe andi ko satti o signature na kan der suudu wadata. Be humpiti ko honto o signature wadata. Be dogi be yari ka commune. Fi empêchugol o mariage. Be yaka commune commune on inna be honnu. Kambe be wata empêchugol o mariage fi honnu parce que jo on ko majeur. La loi, y a pas une loi qui peut empêcher ce mariage parce qu'elle est majeure. D'accord, supposons que la fille est majeure. Mais je pense que quand il y a un mariage civil qui se fait à la mairie, on demande les personnes qui sont consentantes, s'il y a des personnes qui sont opposées à ce lien, de se prononcer ou de se taire à jamais. Maintenant, il s'agit de quoi? Dans ce mariage-là, ce n'est même pas un mariage. Yumma Mako, celle qui l'a mise au monde, y compris son frère, qui a préparé l'avenir de cette jeune dame, ils se sont déplacés. Ils sont partis à la mairie pour s'opposer à cette union, pour s'opposer à cette relation. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, il n'y a aucune loi qui peut empêcher cela. Mais bien sûr qu'il y a une loi qui peut l'empêcher. Parce que si les parents de la fille, si aucun membre de la famille de la fille ne consent ce mariage, vous ne pouvez pas célébrer ce mariage. Vous ne devez même pas le célébrer. Mais vu que je parle là de la Guinée, et la Guinée n'est pas n'importe lequel des pays, quand il s'agit de la violation des lois et de la violation des droits des citoyens, vous ne pouvez pas prendre en considération la requête de cette pauvre famille. Donc, chers Guinéens, chères Guinéennes, aidons cette famille, aidons-la à ce que le mariage ne se célèbre pas. Soutenons-le. Même si Tawi Hauri Hande, même si aujourd'hui l'état civil décide d'organiser ou bien de réaliser ce mariage entre Tamba et Oumuawa, parce que moi je refuse de l'appeler Esther, elle n'est pas Esther ni d'Adam ni d'Ève, elle s'appelle Oumuawa Ba. Même si aujourd'hui ils décident de célébrer ce mariage entre Tamba des GG et Oumuawa, il faudrait que les Guinéens empêchent ce mariage. Joignez-vous à cette famille, empêchez ce mariage. Joignez-vous à cette famille, empêchez ce mariage. Parce que Tamba a détourné l'esprit de la fille. Tamba a abusé de l'esprit de la fille dans une église. Ils ont prié sur la fille qui était malade. Ils ont prié sur elle. Elle voulait retrouver sa santé. Elle était partie dans cette église dans l'espoir de retrouver sa santé et non dans l'espoir qu'on lui fasse changer une religion. Donc ces personnes qui pensent que, en fait, c'est l'amour, c'est parce qu'ils s'aiment. Non, détrompez-vous. Il n'y a pas d'amour entre les deux. Non, 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 non. Tamba a bousillé l'esprit de notre sœur. Aidons-la à se retrouver. Aidons-la à se retrouver. On me signale là que le mariage est passé depuis. C'est le mariage religieux qui a été célébré. Civil, ce n'était pas encore célébré. Non, mon frère, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que je suis complice de ma soeur. Non, je ne suis pas d'accord. On a tout fait. C'est pourquoi je vous disais au départ que les réseaux sociaux, les gens aiment trop juger. Ils aiment juger sans savoir ce qui se passe réellement. Ils aiment juger. Moi, ou moi, depuis 2019, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Elle m'a coupé sur tout, sur son WhatsApp. D'abord, elle a changé de numéro. Elle n'utilise plus le même numéro WhatsApp. Sur son Messenger, où elle ne parle plus à personne. Sur le Facebook, on ne la voit plus. Maintenant, où voulez-vous que je la trouve?
pour la conseiller. Au moment où je marchais avec elle, je vous dis, quand elle voulait sortir de ce gel, elle disait, je partais sur Hussaina pour que ses parents lui laissent sortir. Pourquoi? Pourquoi quand elle parlait de moi, on l'a laissé sortir? C'est parce que ses parents savaient que j'étais une personne de confiance. Je ne me lance pas des fleurs. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, renseignez-vous très bien. Renseignez-vous très bien auprès des personnes qui ont eu à me côtoyer et ont eu à côtoyer ma famille. Non, on n'est pas de ce genre. Non, du tout. Du tout. Ce mariage ne sera pas bon parce que ce mariage n'est pas béni. En fait, ce qui est marrant dans cette histoire, là où ces gens-là se pensent, là où ces gens-là pensent qu'ils sont permis à tout faire, à tout, quand je vous dis à tout faire, comment se fait-il que la famille de Tamba, qui est informée de cette histoire, qui savent, cette famille, elle sait toute l'histoire, elle sait comment cette fille est venue dans la famille, comment ils peuvent accepter, cautionner aujourd'hui que Oumuawa célèbre un mariage sans pour autant partir vers la famille de Oumuawa. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Tamba. Tamba, il est qui? Tamba, il est qui? Il est qui si ce n'est qu'un homme qui a détourné l'esprit d'une jeune femme? D'une jeune femme innocente. Innocente qui aspirait à l'avenir. Innocente qui avait des ambitions. Innocente qui travaillait. Qui était acclamé par beaucoup d'entreprises guinéennes. Aujourd'hui, il prend cette femme, il la garde chez lui. Vous pensez que nous, Dieu, on est Sagumouani. Donc, arrêtez de blâmer la famille de cette fille. Arrêtez de blâmer la famille de cette fille. Plutôt, aidez cette famille à réclamer justice pour leur enfant. Aidez cette famille à réclamer leur fille. Aidez cette famille à franchement retrouver ce qu'ils ont perdu. Parce que ce n'est pas Tamba qui a contribué pour les études de Oumuawa. Ce n'est pas Tamba qui a construit l'avenir de Oumuawa. Comment il peut venir trouver une fille bien faite, avec des diplômes, et puis il arrache cette fille à sa famille? Si toi, Tamba Zakari, tu aimais cette fille, tu n'aurais jamais accepté qu'elle abandonne d'abord son travail. Tu es venu, c'est que tu as perturbé le travail de la fille. Elle se retrouve sans aucun boulot, rien du tout. Toi, tu préfères la garder dans une maison à ce qu'elle ne foute rien du tout. Et aussi, l'interdire de battre jusqu'à ce que cette fille rompe contact avec sa famille. Comme si elle t'était tienne, quoi. Parce qu'il s'agit tout simplement de Tamba. Tamba, tu n'es rien. Mais comme en Guinée, on n'a pas une autorité, comme en Guinée, on n'a pas de loi, comme en Guinée, les droits et les lois des citoyens guinéens ne sont pas respectés, vous n'allez pas soutenir cette famille. Comme vous êtes des personnes qui êtes des mal intentionnées, vous êtes des personnes qui, je ne trouve même pas le mot pour qualifier aujourd'hui ces officiers de l'état civil qui vont s'arrêter galamment pour réaliser ce mariage. C'est bête, c'est con. Mettez-vous à la place de la famille de Oumuawaba. Mettez-vous à leur place. S'il s'agissait de vous aujourd'hui, s'il s'agissait de votre enfant aujourd'hui, est-ce que vous allez vous asseoir pour dire qu'il n'y a pas une loi qui interdit cela? Vous allez vous asseoir pour le dire? Ben non! Ben non! La solution, c'est de se battre pour que la fille soit récupérée. Ce Tamba est très arrogant. Non seulement il est arrogant, Tamba, non seulement il est arrogant, il est méchant. Tamba, il est méchant. Il est méchant parce qu'il a détourné l'esprit de la fille de Jean. Moi, Oumuawa, je l'ai connue. Je vous assure, quand je vous parle d'elle aujourd'hui, j'ai même envie de couler des larmes. Parce que c'est une fille qui avait vraiment de l'ambition, qui a de l'avenir, quoi. Je vous assure, cette fille, si vous savez ce qu'elle a traversé au Sénégal, pour obtenir son diplôme, si vous savez les sacrifices qu'elle a eu à faire pour finir ses études, si vous savez l'ambition que cette jeune dame avait pour réussir dans sa vie, et quand je sais que je trouve même pas les mots pour qualifier ce monsieur, quoi, je trouve même pas les mots pour le qualifier, je trouve pas les mots.
Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs guinéens, ne pensez pas que ce couple se marie par amour. Tamba a détourné l'esprit de ma sœur. Tamba a détourné l'esprit de Oumuawa. Il a détourné l'esprit de Oumuawaba. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs guinéens, rejoignez-vous à cette famille. Aidez-leur à récupérer leur fille. Je sais que sa maman continue à se battre. Elle continuera à se battre parce qu'elle n'est pas prête à perdre sa fille. Depuis que cette histoire a commencé, fin 2018, début 2019, jusque-là, la femme ne s'est pas reposée. Aujourd'hui, ces deux autres filles, je ne parlerai pas ici leur nom, ces deux autres filles, pour faire plaisir à leur mère, elles ont mis le voile pour rassurer leur mère et rassurer la famille, quoi. Elles ont mis le voile pour dire, n'aie pas peur, on ne fera pas comme elles. N'aie pas peur, on ne changera pas de religion. Elles ne l'ont pas dit comme ça, mais moi je me dis que c'est ce message qu'elles veulent passer à leur mère. C'est ce que je me dis, c'est ce message qu'elles veulent passer à leur mère. Mais s'il vous plaît, aidez cette famille. Regardez comment ils sont dévastés. Regardez même cette vidéo qui circule où sa mère se prononce sur le sujet. Regardez le visage mépris, le visage que cette femme a, le visage d'une femme qui est vraiment perdue, quoi. Aidez cette famille, soutenons cette famille. Non, mon frère, ça me fait mal quand vous dites ça, quoi. C'est vous qui n'avez pas éduqué votre famille. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des choses plus bizarres que moi. Ce n'est pas une façon d'accepter ce qu'elle est en train de faire. Mais ces personnes qui disent que nous n'avons pas éduqué, comment dirais-je, notre fille, c'est faux, archi faux. Est-ce que vous, dans votre famille, tous vos frères et sœurs sont normaux, parfaits, comme ça? Il y a pas, vous n'avez pas quelqu'un... je ne sais même pas comment vous dire ça. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui est déraciné dans votre famille? Non, je ne suis pas d'accord. Ben, je ne suis pas d'accord quand vous dites que la fille n'a pas reçu une bonne éducation. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Et je vous réitère que c'est faux. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose. Bien sûr que les Guinéens peuvent faire quelque chose. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous décidez à aller vous joindre à cette famille pour empêcher ce mariage n'aura pas lieu. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les problèmes des Guinéens, ça ne va jamais finir. Parce que le problème de l'un, ce n'est pas le problème de l'autre. Vous êtes toujours prêt à critiquer, mais vous n'êtes jamais prêt à aider pour trouver une solution. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose. Soutenez cette famille. Soutenez cette famille tout en dénonçant Tamba. Tamba a amené cette fille dans une église pour lire des versets bibliques sur la fille, pour lui verser de je ne sais quoi, quel liquide là-bas pour dire que c'est une façon de l'aider à soigner je ne sais quoi, quoi. Donc, fille, à la wote yana bijon, on a moussi, si koube ko ojiwo, o heba li, ne, e djungo mnen, e mako e babe, mako e bengure, mako ne, non, ite lung haki le moun. Ojiwo, hino woni issu d'une famille responsable et respectueuse. Elle le sait pas. Elle le sait parce que quoi? Parce que les chrétiens et les musulmans, c'est la même famille. C'est pas hôtel Guim. Non. Écoutez, ce que vous ne comprenez pas, depuis que j'ai commencé mon direct là, je ne pense pas qu'une seule personne m'ait entendu dire que du fait que elle a changé de religion, je diabolise cela. Chacun est libre de choisir sa religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Moi, je suis née musulman. Il y a beaucoup de gens qui me suivent ici qui sont nés musulmans. Et il y a aussi d'autres qui sont nés chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont changé de religion pour devenir musulmans. Ça a été un non-événement. Et quand une musulmane change de religion pour devenir chrétien, c'est son choix. Moi, ce que je condamne dans cette histoire, c'est la manière de faire de Tamba. Parce que je sais une chose, si cette personne n'avait pas mis un seul pied dans cette église où Tamba l'avait amenée, elle n'aurait jamais changé de religion. Elle ne se serait jamais mariée à Tamba.
Elle n'aurait jamais perdu son travail. Elle serait toujours en train de continuer à vivre ses ambitions, l'ambition de servir son pays, l'ambition de travailler honnêtement pour gagner sa vie et soutenir sa famille. Voilà. Donc, arrêtez. C'est que, je ne sais même pas, mais il est où vraiment le problème? Je ne comprends pas votre réaction, madame. Mon problème, tu ne le comprends pas, je te l'explique. Tamba Zakaria a volé ma soeur. Tamba Zakaria a lu des versets bibliques sur ma soeur. Il a détourné l'esprit. Tamba Zakaria, c'est un manipulateur, un pasteur qui a détourné l'esprit de ma soeur. Tamba Zakaria a détourné l'esprit de ma soeur. Tamba Zakaria a joué sur l'honneur et la dignité de notre famille. Tamba Zakaria, c'est qu'il est nul, quoi. Il n'est pas un homme. Quand on est homme, on côtoie une femme, on la côtoie de la manière qu'il soit, de la manière qu'il doit. D'accord? Tamba Zakaria n'a pas fait ça. Tamba Zakaria a lu des versets bibliques. Il a profité de la migraine de ma soeur. Parce que, au moins, comme je vous le disais à l'entame de mon direct, je ne veux pas tout répéter. Je ne veux pas tout répéter. Ojindi o dabbi lekki hawron kiyo hebaare joni non bay hari kanko yo tambaajo do be fuddi yewtude o inni mo mayka eglise an min mi wallata nyaawnda musu hore ma ko der o nginnugol mi wallata nyaawnda musu hore ma ko der dum o yeyi be yima be ama be janga ton pije hore o jiwo haray be tumbi mo hakkunde hibe hibba mo die mabbe dem yanda honno be innirta den die ko der dum be bonni esprit o jiwo Quand elle rompe change mind ma con, quand elle rompe ou jojo, quand elle rompe. Donc que les gens arrêtent de me dire que les parents ne lui ont pas inculqué des valeurs ou qu'elle n'a pas reçu une bonne éducation. Vous êtes qui pour juger? Vous ne devez pas juger si vous ne connaissez pas. Il faut savoir pour juger. Et même quand on sait, on n'a pas le droit de juger. On n'a pas.